Pour le moment, elle se décrit comme une décor artiste d'intérieur, une coach de vie. Et elle est avec nous en studio. Bon matin, Myriane Chantal. Oh, en effet, Martin, mon nom à moi. Moi, c'est bien Myriane Chantal et non pas Myriam Chantal. On tombe facilement dans le panneau. Oui, parce que Myriam Chantal, c'est beaucoup trop commun. Il y en avait 6 dans ma classe de thérapie de chatouille. C'est, pour moi, là, c'est aussi banal que Sylvie Lune ou Amy Miel. Ouais. C'est exactement... Ah, ces vieux prénoms-là. Ces vieux prénoms-là. De l'époque des druides. Tu l'as dit, Martin, je suis une décor artiste d'intérieur. Une genre de coiffeuse de ce qu'il y a dans votre tête et non dessus. Malheureusement, toi, Billy, y a rien à faire. T'as ben du toupette, là, mais en arrière, c'est aussi mort que sur la tête de Rachid Badouri. Comme je le dis souvent, tu peux mettre des bigoudis à un psychopathe, mais ça reste un psychopathe. Ben oui. C'est quoi ces expressions? Vous le savez? Voyons. Moi, j'ai vraiment la bosse des affaires, vous le savez. Oh oui, ça. Absolument. Dans le sens où si je rembourse pas mes dettes, il y a des motocyclistes qui menacent de me faire une coupe de bosse. Dans ce sens-là, oui. Oui. Mais moi, je viens de me lancer dans un nouveau projet qui s'annonce très rentable, ma propre agence de voyage astral. Bon? Oui. Ah oui, OK. Ça s'appelle Air Transam. Là, vous oubliez les tout inclus à Cuba. Ah, moi, oui, j'ai de la camomille assez forte pour vous faire voir pas mal plus que 4 étoiles et demie. Ah oui? Ah oui? Ah, oui. Par contre, Martin, fais attention au buffet astro. Oui. Hein, si tu fais une excursion à l'extérieur de ton corps, après, faut que tu sois capable de rentrer dedans. Oui. Le voyage astral est ouvert à tous, okay, à part si tu as visité une ferme dans tes 14 dernières vies. Ouais. Mm-hmm. Okay. Il y a plein de façons de faire un voyage astral. Ah oui, hein? Il suffit parfois d'assister au spectacle de flûte à bec de votre neveu pour vous sentir partir loin, 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 loin. Vous voyez? C'est ce genre de voyage. C'est comme un voyage sur le pouce, mais ça compte. Exactement, oui. On peut aller très, très loin grâce au voyage astral. Moi. Toi, oui. Moi, l'autre fois, j'ai fait un voyage astral tellement long que j'ai dû faire une escale d'une couple d'heures dans le corps d'un Japonais. Pour vrai? Oui. La prochaine fois, je vous le dis, je vais choisir un Américain. Il y a plus de place si tu veux ramener du vin. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Ils sont plus slim, les Japonais. Ouais. Hey, je vous laisse avec un dernier conseil avant de quitter. Ah oui? Oui. Si tu pars en voyage astral, oublie pas de laisser une lumière allumée dans ta narine. Ça, c'est pour les voleurs. Hein? Paix intérieure. Mais voyons!